Mauvais coup, mauvais soufflette, mauvais attaque pour ancien premier ministre pays d'Haïtien Claude Joseph. Bienvenue sur canal Pola TV la Haïti.com. Jeudi, c'est jeudi 8 septembre 2022 et c'est quatrième sortie nous pour ce maintenant. Et nous merci à tout le monde et nous pas oublier remercier. C'est grâce avec ou même qui fait TV la Caille encore exister parce que c'est support, c'est attention, c'est tant que ou bail pour tant de vidéos nous qui encourage nous mêmes staff TV la Caille pour nous continuer informer. Mesdames et messieurs, président Abinader, président de la République dominicaine, qui lui-même prend une dernière décision là, eh bien, côté monsieur Sali même interdit Claude Joseph entrer en République dominicaine et lui mettait environ 10 autres bandits ensemble avec Claude Joseph qui donc Mounsao pas gain droit mettre pied au dans la République dominicaine, sinon il y a une grosse mesure qui prend contre individu ça. Et bien Claude Joseph qui lui-même a réagi sur Facebook côté il a fait un post pour dire que le président Abinader interdit l'entrée en République dominicaine et ça pas qu'à faire le fait back, l'a continué bataille, l'a continué lutter pour Haïti lui-même pas servi. Eh bien, toile pied République dominicaine qui ont même pas respecté nous pendant que fait 25 ans pour qu'ils puissent manger. Et je dis à la, nous tournons une véritable menace pour eux. Selon ça, président Abinader lui-même les fait qu'on est. Eh bien, Claude Joseph qui lui-même soutenant silence et Monsieur Guetan réagi là sur Facebook. Eh bien, mesdames et messieurs, l'autre chef gang sa yo qui yo même, gen Ezekiel, gen Barbecue, gen Izo, gen Lomo Sanjou, gen et divers l'autre encore, qui nous pas rappelé non, nous pas invité ou, eh bien, ouais, yon publication qui te faite, côté, et ou pas le joindre tout non, bandit sa yo, en dan publication sa, donc c'est Luxon Saint-Ville qui te fait sur Twitter, eh bien, nous pas le partager la avec ou dans vidéo a, ou ka ouais, reste non bandit qui nous pas songe yo, eh bien, qui yo même, c'est des moun là qui interdiction pour entrer en République dominicaine. Nous allons inviter un gué détail et puis gué Ariel Henry qui n'est même pas dans le pays. Ariel Chapé pour lui et gué photo qui a circulé qui montre comment Ariel Bolozil en dans avion et puis autant de pays à lui-même la gué dans bouche bandit avec manifestant qui a crasé brisé. Ariel lui-même retiré col et puis c'est la gué en Floride. En tout cas, tout détail, restez connecté pour ce vidéo jusqu'à la fin. N'a tourné. Haïti diplomatie. L'ancien Premier ministre Claude Joseph interdit de rentrer en République dominicaine parmi plusieurs chefs de gang, dont Tilapli, Barbecue, Vite l'Homme, entre autres. Cette décision pourra-t-elle profitable à Claude Joseph sur le plan politique? En tout cas, et tout l'islam gang, en aller. Il y a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, il y a Innocent Vite l'Homme. Et il y a Destina Renel, alias Tilapli, et Gang Grand Ravine, il y a Wilson Joseph di Lambo Sanjou, du Gang 400 Marozo, il y a Claudie Célestin, alias Chien Méchant, du Gang Chien Méchant, et Kafou Tabar, il y a Alexandre Ezekiel, alias Zé, il y a prison, il y a Baz Pilate, et il y a Kempes Sanon, Baz Belair. Il y a Chéri Christoa, alias Chrisla. Il y a Félix Bonnel, alias Mikanor. Et Baz Waf Jérémy. Il y a Jean-Pierre Gabriel, alias Ti Gabriel, GPEP. Alexis Serge Renel, alias Ti Junior. Et puis, il y a Orlichin Emile, alias Pellebrin, Baz Delma. Donc, merci un peu, Luxon, pour liste. Là. Très bien, merci un peu. Donc, on a profité de saluer Luxon Saint-Ville en bien. Forme. Ok, on allait. Ça crive là, madame, monsieur. Faut qu'on dise que hier soir, je prends le temps et le soin pour garder notre République dominicaine, le gouvernement dominicain. Ça crive là, son mari qui grave pour Claude Joseph. Ok, son mari qui grave pour Claude Joseph. Ce n'est pas pour Haïti. Ça pour nous connaître tout, c'est que. Dominicanie, République Dominicaine, c'est pays qui a fait. Donc c'est pays. En nativité fêtée à Cul du Nord. À Cul du Nord. Merci, chef. Eh bien, ok. République Dominicaine, c'est droit pour le dire, mais qui est-ce qui a entré la Cali, mais qui est-ce qui n'a pas entré la Cali? Qui est-ce qui a arrêté la Cali, qui est-ce qui n'a pas arrêté la Cali? Haïti qui a fait le tout. N'importe qui pays, c'est droit. Ok? Donc je dis,
ça passe là, oui. Île de la Tortue. Île de la Tortue, très bien, très bien. Ça crive à madame, monsieur, notre ça, il n'y a pas vraiment grave avec Haïti, il n'y a pas de grave avec Haïti, non, rien. Sauf que, il est grave pour Claude Joseph. Mais cependant, ou même dit ça haïtien, ok, faut, je dis, aller chercher, comprendre, donc, cette décision de la République dominicaine pour mettre, en fait, ou bien persona non grata pour aller en pagne là, donc à vivre avec la Dominicaine, en fait, pour interdire d'entrée d'accès donc à un certain de groupe, à un groupe haïtien, ok, pour ne pas rentrer dans la République dominicaine. Là, m'a parlé de haïtien. Beaucoup de questions, gang, chef de gang, beaucoup là, de haïtien. Faut nous dire ça. A dit, je dis, on est qui investit en République dominicaine, ou pas en sécurité, non? Aïe, bâtard, tout cloche, petit! Aïe, aïe, aïe! On va parler causé. Aïe aïe aïe. Parce que madame monsieur, c'est sous base la loi Lacayo. Son loi de référence. C'est sous base la loi Lacayo. Et ça Abdoulaye. De ça dit madame monsieur. C'est ici. Loi sur immigration Lacayo. C'est loi Lacayo. Ça dit madame monsieur. On moun jodi a qui investit en République dominicaine. Écoutez, vous n'êtes pas protégé. Parce que à n'importe qui moment, dominicain ka rale loi ça et puis le mettre dehors. Mettre dehors. C'est ça pour nous comprendre. États-Unis tout. Ah oui. Canada. Correct. La France. Yo metto dehors, madame. Foutou dehors. Fon klas sou sa metto dehors. Choute boudao. Ok. Donc, moun jodi a ka vivre en Dominicaine, ça doit attirer attention. Ah ouais. Ça doit attirer attention. Ben, il dit que vous n'êtes pas en sécurité, donc, en plus de Dominicaine. Donc, Dominique n'est pas metto dehors, c'est si vous voulez, c'est si vous pas voulez. Et vous avez investi des millions de dollars en plus de Dominicaine. Et puis, au matin, sous base loi ça, Dominicain déclare persona non grata. Et avant Claude Joseph quitte okay. la primature, il y a information que nous-mêmes nous besoin une confirmation. Correct. Qui t'a fait croire que Claude Joseph gè ka il acheté en République Dominicaine. Correct. La coulée là à Claude Joseph pour 10 populations. Correct. Est-ce qu'elle gagne bien en Dominicanie? Correct. Et à regarder pour position par rapport à Dominicanie. Correct. Avant qu'elle te prenne position face à la République Dominicaine là. Avant, correct. C'est avant, il a dit que tu as une information que tu fais quoi que Claude Joseph vient bien l'acheter en République Dominicaine. Maintenant, est-ce que Dominicain a tout profité de la possibilité de ça? De bien. De si vous ouvrez bouche de avec Dominicain, correct. Pour courir de monsieur correct. Et pour saisir bien monsieur. Correct. Donc, tu as dit que ça, il faut attirer attention. Tout haïtien qui a vécu en République Dominicaine et puis qui a investi en République Dominicaine. Parce que c'est son base légale que Dominicani doit prendre décision ça. Ok. La gravité. Maintenant, si Dominicani fait le constat, si Dominicani fait le constat, ça veut dire que Claude Joseph, c'était un premier ministre qui était en position claire comme ministre des Affaires étrangères également. Ok, contre la Dominicani, dans quel dossier encore dossier insécurité sous question. Il était fait un tweet pour te rappeler, République Dominicaine, que gang qui gagne Haïti, correct. Et la Kaili pas trop bon que ça tout. Correct, très bien. Comme c'est le même phénomène ça. Yo. Et c'est en vérité. Il était même, l'ite même proposé. L'ite... Alors, ça me trouve qui était bizarre, ça me dit pas de comprendre. Et action, mec qui dit aussi, chef, tête en bas ici, lorsque il était pas appuyé Claude Joseph. Claude Joseph, parce qu'il pas dit rien qui était grave. Il était dit que. Et phénomène insécurité à l'île sous l'île. Il te rappelé sous l'île. Il te dit qu'il faut qu'on nécessité pour nous mettre ensemble. Une cohabitation qui peut faire pour lutter ensemble contre gang. Et puis également, il te rappelé, président Luis Abinader, que le Paguen doit parler pour l'île. Correct. Il, oui, il, pas président, il n'est pas le président de l'île. Il n'est pas le président de l'île. Et parce ça, que le président Abinader est allé dans l'OEA. Oui, oui, il t'a fait. Et il t'a fait un volé sous parce que. Il n'est pas trop l'île là. Correct, correct. Et que Claude Joseph s'est senti l'île. Tu as rappelé la loi pour dire qu'il n'est pas le président de l'île. Et ça, c'est l'île qui est tout pour le nom, madame, monsieur. Ok. Maintenant. Il a traité Claude Joseph de raciste. De raciste. Maintenant, sous base, qu'est-ce qui s'est passé? Si son haïtien, Claude Joseph, son haïtien, oh, il y a qui gagne une position face à la République dominicaine qui publiquement. Donc, exprimer, eh bien, je veux dire, c'est même là pour des politiciens ici, également des journalistes. Yeah. C'est clair. Je veux dire, nous avons des positions. Par exemple, les combats qui passent en République Dominicaine, nous prenons des positions pour lui. Il y a des journalistes qui traitent des questions, comme si pour dénoncer le comportement des Dominicains, dénoncer donc, le comportement du gouvernement dominicain, madame, monsieur. Elle dit que je veux dire, depuis qu'on n'a pas les Dominicains animaux, ou capable, je veux dire, donc, interdit d'accès donc en République Dominicaine. Ça, c'est clair. Et même bien tout, un politicien, je dis, qui a une position contre la Dominicanie, ok, donc non dossier quelconque,
eh bien, il faut connaître que ou capable interdit d'accès donc en République dominicaine. Mais ça lié... ça font dit nous clair sous ça. Mais et ça ça pas être drôle dans dossier hein. C'est que Dominicain a choisi dans momentum là pour mettre Claude Joseph, donc docteur Claude Joseph, non liste gangster. Eh bien, OK. Et maintenant on a la partie ça. Yeah. OK. Maintenant faut nous clair sur lui. OK, ça et lui déranger Claude Joseph. Maintenant, on aller sur le plan politique. Est-ce que décision ça capable profitable à Claude Joseph ça le capoter pour lui sur le plan politique? Moi même pas connait. Seul bagage. Jean-Claude Joseph, premier ministre, a pu, je dis, et a fait un pèlerinage tout côté dans le pays, sous question justice pour Jovenel Moïse, et puis il a essayé de sensibiliser jeunesse là, non idée de parti politique qui irait les aider. Tout le monde comprend que peut-être, il a peut-être vu un candidat à la présidence. Bon, là encore, candidat à la présidence pour Claude Joseph. Et il va besoin de charges. Il va besoin de charges bon. pour comme chargé d'affaires Correct. En Espagne. Il a besoin de charges comme ministre affaires étrangères du pays. Il a besoin de charges comme premier ministre. Correct. Ok. Maintenant, on dit qu'il vient de charges ça. Et que le candidat, Mbaba nous menti, avec un discours de nationaliste. Ok? Avec un discours de nationaliste et puis décision que le gouvernement dominicain prend, la pral profitable pour Claude Joseph. Correct. Parce que Haïtien, son peuple qui émotionnel. Pas menti, qui est émotionnel, et bien également, chaque fois qu'on dossier qui a rapport avec la République dominicaine, pas bon menti, quelque soit Haïtien, il m'a enragé. Oui. C'est comme dire son occasion à obtenir une réponse à, dominicain, à la République dominicaine. Ouais. Donc ça permet que Claude Joseph les joue sur ça. Et puis ils font une belle campagne, et puis ça va permettre d'y arriver plus facilement donc, sur l'électorat. Également, les gangs. Parce que écoutez, ça, c'est une classe. Ils mettent dans la même classe là. Même classe. Parce que je dis, écoutez, ce n'est pas facile pour Claude Joseph, c'est le candidat à la présidence. Il dit, bah, mais quoi, ils mettent dans la même classe avant. Et vous obligez de travailler. Pas de tout classe. Et nous connaissons. Comment on dit là? Normalement, monsieur. Comment on dit là? Ok? Donc, il a dit que, écoutez, monsieur Gangyo, donc, il n'est pas égaré. Maintenant, si vous associez Claude Joseph avec Gangyo, donc, il a dit que, donc, Claude Joseph, quand je suis là, vous dit, monsieur, ouais, bah là, mettez-moi dans le même panier avec nous, donc, bon, mon backup, donc, en matière électorale. Mais cependant, ce n'est pas sans raison, non, qu'on est, République Dominicaine, mettez Claude Joseph dans le panier, ça. Mais, madame, monsieur, ici, madame, les gars, Dominicanique Service, Secret. Ouais. Est-ce que c'est pas qu'on est connait vrai que Claude Joseph gagne avec Gangyo? Est-ce que c'est pas qu'on est connait que dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, il gagne maintenant? Ouais, n'a pas analysé là. Est-ce que tout la République dominicaine pas à chercher couvrir tête li par rapport avec financement l'a fait dans question gang 400 Maozo? Gardez. Parce que yo t'ai cité Correct. La République dominicaine qui a financé les 400 Maozo à travers un dossier qui est sorti aux États-Unis. Correct. Ou rappelez-vous, Louko. Correct. Parce que je te dis que le service secret dominicain, tu as de connivence avec. Écoutez. Là, les gangs de 400 Maozo. L'éclair, le trafic, le trafic d'âme entre Haïti et la République dominicaine. Que ce soit dans. Qui servit de couloir, OK, pour faire des armes dans le pays, ou du moins également donc munitions. Combien de fois ils ont saisi. Et cargaison d'âmes sous frontière, munitions, balles sous frontière. Et je dis, regardez, Noël, et comment il s'appelle encore, et le militaire américain qui est haïtien, Wood Joseph, c'est ça? Wood Joseph. Gongon Zambio au Caille. Ah oui, qui c'est, donc, qui c'est propriétaire. Un M16 qui pour l'armée américaine. Comprenez bien? Je me dis, bon consultation dans et divers soldats américains. Je dis que les Américains n'ont pas servi avec, et l'armée américaine n'a pas servi avec les Amsaïo encore. Okay? Mais ils sont capables, les Américains sont capables de vendre des compagnies Amsaïo. Correct. Okay? Correct. Mais et les Américains, l'armée américaine n'a pas servi avec M16 encore. Donc, comprenez bien, madame, monsieur. Donc, on trafic d'âmes quand même. Ou pas trafic d'âmes dans le pays. Ok, ou pas capable parler de trafic d'armes en Haïti sans qu'on pas parler de États-Unis également dominicain. Là, d'abord, on se rappelle que dans le mouvement trafic d'armes, il y a des armes qui pas gain destination Haïti. Ils ont passé par Haïti. Ils ont passé par Haïti puis à l'autre côté probablement Jamaïque dans les Antilles,
également République Dominicaine. C'est même bien tout l'inverse qui a fait tout. Et pas oublier Jamaïque et Zam Manchelon. Mm-hmm. T'as parlé avec un ami qui te dit ça. Jamaïque, si aucun bois avec un Zam Manchelon dans la question crime, la dit pour. Mm-hmm. Donc, bon échange de yon qu'on fait. Et côté que yo font échange avec des nèg haïtien, mm-hmm. côté que nous ba 9 mm, oui. Yo même yo ba nous manche long. Oui. Là sous la mer là. C'est ça au fait. Tu avais dit les amener pas contre côté sorti. Tu avais dit notre trafic zam nous pas contre c'est pas seulement ou pas capable parler de trafic d'am dans pays d'Haïti sans qu'on pas parler d'États-Unis avec Dominicani. République Dominicaine. OK. Regardez ça qui passe dans zone avec l'église épiscopale côté zam sorti. Aux États-Unis d'Amérique, yeah. Les autorités américaines en Floride, qui s'en fait conférence de presse, et puis ils ont dénoncé donc, le trafic d'armes, donc la caillou qui sortit aux États-Unis qui vient là. Débat que nous parlons chaque jour ici à l'émission en débat. Maintenant, nous ne pouvons pas seulement le dossier de Claude Joseph sont en queue parce que la décomposition de nationalistes qui dérange les Dominicains et que les Dominicains aujourd'hui a battu avec ça? Lui, non. Mais, donc, il faut aller plus loin. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas joué un débat sur Claude Joseph? Qui soit peut-être grand rapport avec l'assassinat président Jovenel Moïse, ou bien peut-être grand rapport avec la gang. Et que tout le crime n'a été organisé, mm-hmm. planifié la caillou tout. Et que est-ce que vous pensez que vous avez un problème mm-hmm. par rapport avec ça, mm-hmm. que l'information que Claude Joseph lui-même a gagné dans le cadre de ça, ça a emmerdé vous. Ça capable de la donner. Alors, en tout cas, il faut que nous dit que selon une information que nous recevons de la part de Wendy Fell, unissons-nous, et Claude Joseph te fait comprendre que lui n'a pas gagné bien. En République Dominicaine. Ou que nous n'avons pas bien en République Dominicaine, ou même voilà, c'est bien directement en République Dominicaine, mais par tiers personne nous avons bien pour nous. Okay. Mais faut nous dire tout. En dehors de tout cela, en dehors de tout bail, ça, et loco, faut nous dire bail là, et faut nous dire situation, j'en lis en tout. Là, sont question de pays à pays. C'est pas une question de personnalité là. Non, pourquoi vous gagnez dans ça? Attendez. Non. Attendez. Pourquoi vous gagnez dans ça? On a parlé là de un ancien premier ministre. Mm-hmm. On a parlé de un ancien chargé d'affaires. On a parlé de un ancien ministre mm-hmm. Des affaires étrangères. Très bien. Ça veut dire c'est Haïti. Ouais. Ça veut dire c'est Haïti. Mais pas dans le job ça encore. Non, mais Louko, son ancien cadre. Pourquoi vous voyez que ça gagne pour payer? Son ancien cadre. Non, mais. Correct. Pas gagne aucun pays non et gouvernement quel que soit et ça même pas parle pas gagne question de personnalité mm-hmm. gouvernement haïtien faut chercher qu'on ait explication faut ta gagne et faut que les choses li pas ni on ni l'autre encore gouvernement haïtien doit proposition là bon rappel pour pas gagne question de proposition li obligé bon rappel pour tout à l'heure oui bon faire rappel là bon rappel pour la important pour c'est même genre dans le cas du sénateur Beaujean si ou prendre sous un ou parler à la gouvernement haïtien ta doit prendre pour moi Jean-Charles Loué est-ce nous pas connait nous même qui sont auditrices émission matin débat ou la permettre la toute gouvernement haïtien ta doit prendre pour moi Jean-Charles tout oui OK c'est un ancien sénateur l'aile de en transit aux États-Unis d'Amérique et ben oui comme un ancien sénateur oui et puis il va le traitement ça et ben d'accord oui jusqu'à ce qu'il déclare persona non grata d'accord qui ça non parce que pas sénateur encore non mais d'accord avant attendez qui ça gouvernement haïtien ta gain boulot avec ça c'est même pas on parler là je dis là nous désir on imaginer ou faire ça ou prendre décision comme ça pour Kenneth Martin. Actuellement, il n'y a pas rien. Il n'y a pas encore. Correct. Actuellement, ils sont simples citoyens. Je ne sais pas si c'est le poste. Comme si le gouvernement américain pourrait intervenir. Ah oui? Non, mon cher. Non, mais obligé par l'explication. Le gouvernement, non, il n'y a pas vrai. Comme nous c'est Tchoulio, laisse-moi te dire. Je dis, qui ça, docteur Ariel Henry, pour le faire? Il est seulement pour le noter. Le gouvernement haïtien seulement doit prendre note. Mais le baguette pour la paix, écrit le gouvernement dominicain pour dire, bonne explication sur ceci, sur cela. Il n'y a pas qu'à faire. Mais il a noté. Comme dans le cas que nous maintenant comprenons là. Comme si l'État a dû faire mes gels sous ça. Non, c'est pas. Il n'y a pas qu'à l'État. Joseph là. Non, le baguette pour la paix. Non, l'État n'a pas qu'à faire. Ne fait plus partie du gouvernement. Sauf que le gouvernement haïtien, il pour noter. Alors, il prend note. Si, comme il y a des actions qui sont posées à des représentants du gouvernement. Le cas de James Jacques, par exemple, nous t'es en position gouvernement. On n'a pas besoin de parler au Kounia pour un monde qui, non seulement pas dans l'administration, encore, mais qui est en face, mais
il pas ta doué gon question de en face ou pas sur c'est Haïti. Oui, c'est vrai, mais comme un jour sur le plan politique. OK? Dans coopération pays à pays, ça pour qu'un cap pour un pays intervenu. Jamais. C'est un gouvernement qui la cali, les citoyens ça indésirable, a ben seulement dit on pas besoin mettre pio la caméra encore. Et c'est des gangsters parmi eux, des gangsters. Correct. OK? Des monde cap nuit société haïtienne, non? Correct. En tout cas, m'ta toujours trompé mais de toute façon, on t'a dit. Ça n'a pas avec pays Haïti. Est-ce que nous pas ouais, genre les États-Unis traités, par exemple, un monde qui était retraité, un retraité de l'armée américaine, par exemple. Quel que soit côté lié sous la terre bénie, ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Dépendamment de ça le faire. Même qu'elle font bagaille, ou doit les États-Unis d'Amérique explication sous Jean Abtet Avel. Bon, en tout cas. Bon. Bah oui, son monde qui t'a servi les États-Unis d'Amérique. C'est pas le cas ici, parce que ici nous connaissons bon, avec eux. Comme son équipe reste avec nous, c'est clair. Ma parole dans quatre gens. Bien entendu. Ou songez ça qui t'est passé avec Banque Centrale. Le négociateur qui a cassé Banque Centrale avec Fouy Jean-Louis. Oui, parce que. Ou songez ça, il a arrêté. Il a aimé et remarqué ou fait que c'est son sénateur Moïse Jean-Charles. Ou effectivement. Gouvernement, si c'est pas ton ex qui peut rester avec nous, nous te devons demander explication sur ça qui passe là. Son leader politique, correct. Son ancien sénateur de la République, correct. Faut nous donner explication. Mais c'est les États-Unis. Écoutez, ça qui passe là, au même, contraire. C'est pas une explication de force, totalement. Non, nous pas qu'à rien de force. Là, c'est ministre affaires étrangères. C'est pour ça qu'il y a une diplomatie. Contacté ministre affaires étrangères pays ça. C'est pour ça qu'il y a une diplomatie, Louko. Explication. Voilà. Ministre affaires étrangères, Jean Généus, tu as supposé, selon. Et Jean-Joseph a parlé là, tu as supposé convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Mandé explication. Ouais, besoin qu'on ait pas de procédure là, mais au moins il y a un bagage comme ça qui fait raison qui fait que nous déclarer pour un ancien premier ministre ou mettre dans liste ensemble de gang monsieur et pas avec force et c'est la et ça pas avec force c'est pas avec force c'est la gravité c'est la gravité ou prendre un ancien premier ministre un ancien ministre des affaires étrangères un monde avec qui ou et forcément tu as une relation parce que interlocuteur direct voilà et puis ou mettez le parmi un ensemble de gangs qui n'ont pas payé un problème et en plus nous avons cité nos questions assassinat président Jovenel Moïse mais c'est moi-même là je suis d'accord là je suis d'accord OK bon en tout cas son dossier n'a pas suivre là et son dossier n'a pas suivre là donc à l'émission en débat et comme nous pouvons finir avec lui donc nous allons et dit bonjour donc alors dans quatre dossiers ça et où tu parlé où fait référence avec les Américains les autorités américaines en Haïti la commandant CVA et la cafétéria t'es arrêté soldat américain soldat américain mercenaire oui écoute ça commandant CVA correct OK de la troisième promotion.